السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je vous recommande ainsi que moi-même la piété et le fait de craindre Allah. Allah est avec ceux qui le craignent. Et donc, voilà les quelques mots que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui pour conserver ce lien entre nous lorsque les sermons du vendredi sont suspendus. J'aimerais vous parler du Coran et de la révélation. Premier terme qui a été donné au prophète, transmis à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est « Iqra, lis ». Et lorsqu'on regarde au début de Surat al-Baqarah, il nous est dit « Dhalikal kitabu la rayba fi ». Voici le livre qui ne comprend aucun doute. Et donc, il est question de lecture, il est question de livre. On sait que les Arabes, du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était un milieu, c'était des gens qui, en fait, étaient complètement illettrés pour la plupart. Et donc, on voit déjà que dans ce contexte, l'ordre de lire, l'ordre aussi de se tenir fermement à un livre, tout cela, eh bien, est quelque chose qui est nouveau pour les Arabes et qui est important. Un autre point que l'on peut souligner, c'est que le passage, les premiers versets qui sont révélés, « Iqra bism rabbika alladhi khalaq » lit « Au nom de ton Seigneur qui a créé ». Et donc, il y a un ordre d'aller dans le sens du savoir, de la connaissance, mais fais-le au nom de ton Seigneur qui a créé. Et donc, cela signifie qu'il ne s'agit pas simplement de connaître pour connaître et d'approfondir ses connaissances, de façon à pouvoir, au moyen des facultés qui sont celles de l'être humain, maîtriser l'univers et aller dans le sens de sa destruction progressive par les armes que l'on fabrique, par les industries que l'on imagine et que l'on invente et que l'on réalise. Tout ce qui aujourd'hui a transformé l'univers comprend des aspects qui sont positifs et d'autres qui sont négatifs. Et l'être humain, sans conscience, eh bien, les progrès qu'il réalise deviennent une occasion pour lui de multiplier la barbarie dont il est capable. Jadis, on pouvait assassiner quelqu'un avec une arme blanche. Aujourd'hui, on dispose de la bombe atomique, et donc cela, du nucléaire, et cela vous montre les proportions que cela peut prendre, parce que la science, ce n'est pas maîtrisée par une sagesse, et ici, en l'occurrence, connaître au nom de notre Seigneur et agir au nom de notre Seigneur, donc dans les limites de l'éthique et du respect de la vie humaine, tout cela nous fait prendre conscience, comme le disait tel auteur français, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », et pour nous la conscience nous ramène à notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. Un autre point, c'est qu'il y a des lumières qui sont des lumières naturelles, on parle de lumière naturelle et de lumière révélée. La lumière naturelle, c'est en nous ce qui est notre nature première. Et en fait, c'est la raison, c'est notre façon de concevoir naturellement cet univers. Et dans l'être humain, il y a déjà une prédisposition à recevoir la révélation par cette lumière naturelle. La raison n'est pas en contradiction avec la révélation d'Islam, mais la révélation vient nourrir la raison pour lui permettre d'aller encore plus loin dans le sens de la compréhension du monde. Donc il y a une lumière naturelle, une lumière révélée, et c'est la jonction de ces deux lumières qui permettent à l'être humain de progresser dans la compréhension du monde, dans la spiritualité, dans l'éthique également. Vous avez également un autre symbole que l'on peut donner, c'est que dans le Coran, eh bien, est évoqué très souvent l'eau qui descend du ciel et qui va permettre à la vie de croître, aux plantes de croître. Cette image, elle est très forte pour les Arabes parce que nous sommes dans un milieu où la pluie est vraiment l'expression de la miséricorde divine. Elle l'est pour tous d'ailleurs, mais pour l'Arabe, dans ces régions, c'est une image qui est frappante. On a l'eau qui tombe du ciel et puis on a la croissance, on a la végétation,
qui fleurit, qui grandit. Très bien. Mais cela, c'est aussi le symbole de la révélation qui descend sur les êtres humains, la révélation qui permet au cœur de progresser, donc à la spiritualité de croître dans le sens de cette élévation vers notre Créateur subhanahu wa ta'ala. Donc en nous, nous avons une graine. Et cette graine, elle est là, c'est un potentiel, c'est ce qu'on appelle la fatra, la religion naturelle. Et cette graine, elle a besoin d'être nourrie par l'eau du ciel, la révélation. Une graine ne peut pas grandir, évoluer, si elle ne reçoit pas cette eau. D'où l'importance de constamment nous tourner vers le livre de Dieu, de constamment suivre l'exemple et les enseignements du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, parce que nous avons besoin de nous nourrir à de nous altérer à cette source pour pouvoir progresser et comprendre davantage les choses de la vie. Un dernier concept que l'on peut mettre en avant, c'est celui de civilisation. Pour nous, il y a un rapport entre la révélation et la civilisation. Quand on regarde dans les ouvrages philosophiques ou à travers tout ce que les hommes ont pu concevoir, ils ont donné plusieurs définitions de la civilisation. Pour nous, la civilisation, c'est en fait la jonction du ciel et de la terre. C'est « iqra li », cette révélation qui se fait entre le ciel et la terre, entre la sagesse et les savoirs dont l'homme est capable, entre l'orientation divine qui nous permet de gérer nos facultés et de travailler, d'œuvrer en ce monde, mais selon l'éthique voulue par notre Créateur subhanahu wa ta'ala. Parce que l'homme dispose d'une âme et d'un corps. Et la civilisation, c'est de permettre cet équilibre entre l'âme et le corps. C'est de progresser matériellement sur terre, dans le bon sens, mais c'est d'être orienté également par une révélation qui, elle, nous met en face d'une vérité fondamentale. La progression réelle n'est pas celle simplement de notre vie matérielle, mais le progrès réel, c'est le progrès de l'âme qui est en quête de son Créateur, de l'âme qui se rapproche de son Créateur, de l'âme qui progresse vers l'éternité qui l'attend. Donc voilà ce que représente la révélation. Le lien avec le livre est pour nous important. Le lien avec le Coran est pour nous important. Donc faisons de ces jours, où pour certains d'entre nous, nous sommes semi-confinés ou confinés du fait de cette situation tout à fait particulière que nous vivons, l'occasion de nous rattacher davantage au livre de Dieu, de lire le Coran, de le méditer, de nous rapprocher ainsi de Dieu. Wa jazakum Allahu khayran, wa salamu alaykum. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا.